Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel et je vais ici vous expliquer bien comment ajouter un nouveau champ de profil pour le profil de tous vos utilisateurs. Alors ici, comme vous pouvez le constater, je vais ici aller sur mon profil et je vais vous montrer un petit peu ici qu'on peut donc cliquer bien sûr sur modifier le profil. Il existe, comme vous le constatez, de nombreux champs qui sont souvent d'ailleurs suffisants, mais il est possible que pour votre institution, eh bien, vous deviez ajouter de nouveaux champs, par exemple avec un, pourquoi pas, un numéro d'identification, un choix particulier que les étudiants ou les apprenants doivent faire. C'est pourquoi je vais vous montrer ici un exemple assez concret justement d'ajout de champs de profil. Alors, admettons que nous souhaitons par exemple que nos étudiants ou nos apprenants, hein, pour le coup, notent qu'ils sont soit apprentis, soit étudiants, que c'est une information importante, obligatoire, et que nous souhaitons que lorsque nos apprenants arrivent sur la plateforme, ils répondent quelque part à cette question. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment procéder, puis c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, pour cela, je vais ici, depuis donc ici l'administration, je vais taper profil et ensuite je clique sur champ du profil pour justement pouvoir ajouter de nouveaux champs. Alors par défaut il va me créer une catégorie qui s'appelle autre champ. Vous voyez en fait les catégories ici chez son profil, c'est par exemple ici comme général, avatar utilisateur, nom supplémentaire, ça c'est des catégories. Alors je pourrais changer le nom de cette catégorie et si je peux par exemple l'appeler information complémentaire. Je clique sur enregistrer. Et là, je vais choisir donc de créer un nouveau champ pour le coup et qui va être de type menu déroulant par exemple. Donc je crée ce nouveau champ de profil. Alors je vais devoir créer son nom abrégé, il doit être très court pour le coup. Donc je vais simplement ici noter statut. Au niveau du nom, je garde donc ce nom statut. Je ne vais rien mettre au niveau de la description, je pourrais très bien informer par exemple les apprenants de ce que signifie ce champ, etc. Mais dans mon cas c'est inutile. Et par exemple ici je vais dire ce champ est requis, ça veut dire que les personnes vont obligatoirement compléter ou remplir cette information. Ensuite au niveau du réglage spécifique, je dois mettre une option par ligne. Alors je vais mettre ici étudiant ou apprenti. Et je vais mettre la valeur par défaut, je mettrai étudiant. Voilà. Je clique sur enregistrer, puis on va pouvoir voir le résultat. Alors d'ailleurs, comme vous le constatez, maintenant, automatiquement, on me considère comme un apprenant, donc je vais devoir moi-même, finalement, répondre obligatoirement à cette question. Vous voyez, donc le champ ici, information complémentaire est apparu. Et je vois donc l'item ici, donc statut. Et je vais devoir, sélectionner. Soit étudiant, soit apprenti. Par défaut, c'était bien étudiant qui était sélectionné. Donc, je vais ici garder cette sélection et je clique sur enregistrer le profil. Et ce sera pareil donc pour mes autres utilisateurs. Par exemple, si je me connecte ici sur Pierre Dupont, je clique ici sur connexion. Et automatiquement, comme vous le voyez, on me renvoie directement sur le profil. Et je vais devoir donc soit valider le profil tel qu'il est actuellement, donc on voit qu'il y a un petit point rouge, c'est bien cette information-là qu'il est important de compléter, ou bien soit sélectionner un autre choix. Alors tout dépendra évidemment, là c'est un exemple, mais on peut ajouter des différents types, comme vous l'avez vu, de champs complémentaires. Voilà, je vais cliquer sur enregistrer, et là je vais pouvoir vaquer à mes occupations, d'apprenant de manière classique. Voilà comment ajouter un nouveau champ dans le profil de vos utilisateurs.